We cannot sit in jail with our friends, the 11,000 Palestinian political refugees who sit in jail with no trial, the ones who were talked about before. Nous n'irons pas en prison comme les 11,000 prisonniers politiques palestiniens qui sont là-bas sans aucune justification. But I can tell you about my friends, Israeli friends, who refuse to serve the Israeli army, which we don't call the Israeli Defense Force, but the Israeli Occupation Force. And they also sat in jail, not for the same time, and not in the same conditions, but it was a small step of solidarity in order to avoid doing the war crimes done by the Israeli army, but also to provoke trust and the ability to act together with the Palestinians colleagues at the other side of the wall. Par contre, je peux vous parler de ceux qui, de ces Israéliens qui se paient par des peines de prison, par leur refus de servir dans l'armée israélienne, une armée que je n'appelle pas une armée de défense, l'armée de défense d'Israël, mais une armée d'occupation israélienne, pour exprimer leur solidarité. Certes, ils ne sont pas en prison dans des conditions aussi difficiles que les Palestiniens, et pour des périodes beaucoup plus courtes, mais ils sont là pour exprimer leur solidarité et pour ne pas être complices des crimes qui sont commis, et pour ouvrir une perspective pour agir. The movement I belong to in Israel, the Democratic Front for Peace and Equality, is a combined Jewish-Arab party, the only combined Jewish-Arab movement which is active in Israel. All of my activities, every day since I'm 18 actually, I've been with my friends, my Arab friends in Israel, fighting to not to forget the Nakba. To show, to prove, and to show the deprivation of civil rights done to the Israeli Arabs, and to fight against the apartheid wall between us and the Palestinians. Je milite dans le front pour le Front démocratique pour la paix, pour l'égalité, un mouvement qui est un mouvement commun judéo-arabe. Depuis l'âge de 18 ans, nous militons ensemble et nous voulons que la société israélienne n'oublie pas 1948, n'oublie pas la Nakba et ce qui a été fait aux Palestiniens, montrer la réalité de la population palestinienne au sein d'Israël et sa discrimination et lutter contre le mur de l'apartheid. I want to tell you also just a couple of words about what happens, like the biggest example of this cooperation in Bilin. Bilin is the Palestinian village that has become the symbol of the struggle against the wall. And the wonder of this village is that the Palestinians of this village has asked for Israelis and internationals, activists, militants pour les paix, to come and fight together against the wall in non-violent ways, and every week for 5 years they demonstrate together. They get arrested, they get hit and hurt by the army, the Israeli army, and I was arrested there more than once, and I can tell you that this is an action that brings hope both to the Israeli and to the Palestinian fighters for the end of the occupation. Sur le combat à Bilin, ce village qui est un symbole de la lutte contre le mur, d'une lutte qui est militante, mais d'une lutte qui est non violente. Depuis 5 ans, nous combattons ensemble, juifs, israéliens et palestiniens. Nous avons été emprisonnés ensemble. Moi-même, j'ai été arrêté plusieurs fois au cours de ces mobilisations à Bilin. And I would like to finish my my things with a word for you, for the internationals who want to help, who want to do, to change, to do action for the end of the occupation. There is much need
of differentiating the state, the government, and the people. When you act against the state of Israel, you do not act against the Israeli people. Je voudrais m'adresser à vous, vous qui êtes solidaires, vous qui voulez que les choses changent dans notre pays, dans notre région, vous qui voulez mettre fin à l'occupation, que vous compreniez qu'il y a l'État d'Israël et le peuple israélien. Et que combattre contre la politique de l'État d'Israël, ce n'est pas combattre contre le peuple israélien. Je vous remercie.